Ça fait combien d'années que tu travailles pas, Michael? Mais vendredi, j'ai rendez-vous pour un entretien à la discothèque. Tu sors, tu fais ta chambre, s'il te plaît. Tu fais ta chambre propre. Le jour où je disparais, comment tu vas faire? Dis-moi. Aujourd'hui, tu es quelqu'un d'irresponsable. Ah, par contre, une chose importante, demain. Quoi? Pas de drague. Pas de drague? Pas de drague. Fais ce que tu veux. Voilà, je suis pas là, j'existe pas. Fais ce que tu veux. Ok. Voilà. Tu fais confiance? Non. Quand tu es comme ça, Michael, pour moi, tu es une merde. Prends ma douche, maman, d'accord? Parce voilà. Que tu m'as rendu fou. Parce que... À 39 ans, en véritable Tanguy, Michael vit toujours chez sa maman, Esther. J'ai préparé ton verre, Michael. Prends le deuxième verre. Sans compagne ni travail, il mène une vie d'adolescent insouciant. Une situation de plus en plus pesante pour Esther, qui subvient totalement aux besoins de son fils. L'essentiel, c'est d'avoir un boulot stable. Voilà, Michael. C'est le boulot. C'est ça que tu comprends pas. Moi, entièrement, ça fait bien, ça va bien. Tu m'apportes les nerfs. Tu penses à rien, tu t'en fous. Michael, si tu fais pas d'efforts, tu vas pas chercher du boulot à gauche et à droite. C'est pas en restant à la maison que tu peux trouver quelque chose. Mais là, ça veut dire que j'étais pas assez prêt. Là, je suis prêt maintenant. Tu vas bientôt avoir 40 ans, Michael. Ma carrière peut commencer tout de suite. T'as pas de femme, hein. T'as pas de gosse. Non, je suis bien célibataire. On va sur ma carrière et après on verra. Mais moi, je voudrais que tu te maries, que je vois ton mariage. Ouais. Attends, Michael, moi, je peux plus t'assumer. Je te loge, je te nourris. Quand je peux, je t'achète des trucs pas chers, parce que toi, tu veux des chaussures à 120 et 150 euros, je peux pas me permettre de te payer. Le jour où je disparais, comment tu vas faire? Dis-moi. Ne compte pas sur tes frères. Moi, j'aurais déjà réussi d'ici là. Pour toi, ça fait combien d'années que tu travailles pas, Michael? Mais vendredi, j'ai rendez-vous pour un entretien à la discothèque. Depuis son plus jeune âge, Michael veut devenir un DJ reconnu et adulé. Alors, en attendant son hypothétique réussite, il ne cherche pas de travail et vit aux dépens de sa mère. Esther est désespérée. Comme souvent, elle tente de le faire réagir. Bien sûr, tu es une merde quand tu es comme ça, Michael. Pour moi, tu es une merde. Excuse-moi. J'ai honte de le dire, mais je le dis. Parce que quand je vois que tu bouges pas, ça me fait de la peine, Michael. Pour toi, moi je pense qu'à toi. Je vais te montrer que je suis pas une merde, alors. Prouve-le-moi. Je vais prendre ma douche, maman, d'accord? Parce que tu m'as rendu fou. Parce que voilà, oui, je t'ai rendu fou. Voilà, ça te plaît pas, tu dégages. On va tout à l'heure. Je trouve à 40 ans, c'est pas normal qu'il vit chez sa mère. Voilà. Moi, s'il aurait eu un boulot, peut-être qu'il serait parti. Ma mère dit, va travailler, t'arriveras pas, t'as pas beaucoup de contrats. C'est normal, hein, je suis pas connue. C'est un rêveur, voilà. Pour moi, Michael, c'est un rêveur. Et ça, on peut pas vivre de rêve. Michael ne semble pas atteint par les remarques de sa mère. Il pousse même la chansonnette sous sa douche. Esther ne sait plus quoi faire pour le ramener à la réalité. Elle cherche du soutien auprès de son ami. Ils sont fous, ils sont fous. Ils sont fous, et voilà, musique, 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 musique. Tu sais, quand je vois des jeunes moi, demander une pièce, je pense toujours à lui, hein. C'est dur. Mais si Michael se laisse vivre et joue les enfants gâtés, c'est aussi parce que depuis des années, sa mère le couve comme un enfant. Tu fais ta chambre propre. Tu t'en fous, oui, tu vas faire. Oui, d'accord, tu vas faire. Tu vas faire beaucoup de choses. Mais tu fais rien. Voilà. Et ça, c'est propre. Non, ça, il est sale dessus. Il est sale. Pourquoi tu n'as pas enlevé la ceinture? Et tu vides les poches et tu le mets dans la machine à laver. Je n'ai même pas le temps, tu vois. Allez, hop, je vais le mettre dans la machine à laver. Et tu fais ton lit, hein, avant de partir. À bientôt 40 ans, sans revenus et sans travail, Michael s'épanouit pleinement dans sa vie de Tanguy et quitter sa maman pour fonder une famille est loin d'être sa priorité. Une femme, quand ça gueule, j'en ai marre. Ouais. Et quand un chien, ça parle pas, c'est mieux. Et quand tu montes au lit avec ta femme, c'est pas mieux qu'avec un chien? Non, à côté de moi, je préfère. Voilà, il y a ma fille, il y a mon gosse déjà. Ouais, ta fille, c'est ton gosse, la vérité. Franchement, je te comprends pas, Michael. Je te comprends pas. Petit dernier d'une fratrie de 5 enfants, Michael a toujours été très gâté par ses parents. Au décès de son père, en 2004, il reste auprès de sa mère. Les années passent, Michael n'est plus un enfant et pourtant, il ne peut se résoudre à quitter le domicile maternel. Aujourd'hui, à bientôt 40 ans, il n'a quasiment jamais travaillé et compte sur sa bonne étoile pour devenir un DJ célèbre. Depuis peu, Michael s'est mis en tête de se faire repérer. Un seul moyen pour lui, enchaîner les castings.
Aujourd'hui, d'un grand jour, il participe à l'audition de l'émission 100% Phénomène, dont le but est de trouver des talents cachés. Alors, à peine arrivé, il est déjà dans l'ambiance. Michael veut mettre toutes les chances de son côté. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Juste mon casting, je reviens. Allez, bonne chance. Toi aussi, t'inquiète pas. J'aime bien Claude François, toi aussi, d'accord. Oui, moi j'aime bien. Okay. Tu te présentes, tu nous dis qui t'es, d'où tu viens, ce que tu fais et ce que tu vas nous faire. Okay. Et puis dès que c'est bon, je te lance samedi. Bonjour, je m'appelle Mike, alias mon nom, surnom DJ Mike. J'ai 39 ans et je suis là pour participer au casting du 100% Phénomène pour tenter ma chance. Je laisserai mon single en souvenir. Et même si Michael n'a pas su convaincre le jury, il y croit encore dur comme fer. Ce qu'ils recherchent dans le casting, c'est des mecs bien habillés, bien présentés. Je suis un professionnel. 20 ans de métier, quand même, je crois, ça y est. Donc j'ai de l'expérience et je sais que j'y arriverai. Michael est convaincu d'avoir un destin dans la musique. En attendant son heure de gloire, il retourne chez maman, qui, comme d'habitude, sait comment le réconforter. Fais des pâtes et tu as un... Des pâtes au beurre avec du gruyère, s'il te plaît. Oui, et je te fais un blanc de poulet. Ah, après. Ouais, mais il est tôt, là, pour manger, là, ouais, pas maintenant. Hein. Je prépare, tu sais que la viande, c'est un peu long, hein. Là, je sais, moi. Bon. Bien sûr. Moi, je vais chanter, un petit peu. Allez, vas-y, va chanter. Je ne marche plus droit, je fais n'importe quoi. Michael s'accroche à son rêve et part s'isoler dans sa chambre transformée en véritable studio de mixage offert par maman. Au lieu de chercher du travail, il passe des journées entières à mixer et qu'importe le désespoir de sa mère. HM, protège mon fils, qu'il réussisse dans la vie. Parce que je ne suis pas éternelle, je voudrais qu'il réussisse, c'est tout. HM, aide-le, c'est tout. Il n'y a pas d'autre que de briller, c'est tout. Bah, je pleurais, moi, ça va. Tu me connais, je pleure tout le temps pour toi. Ça bah, me fait tu de la pleuras peine. Le jour où je réussirai, ça va comme ça? Ah là, voilà, je, là je ferai une grande fête. Voilà. Là, je ferai une grande fête. Moi, voilà. Je suis encore jeune, tu hein. Tu vois, j'ai toute la vie. Tu es jeune, 40 ans, jeune? Bien sûr, j'ai encore la pêche, j'ai encore le. J'ai... Attends, bah, Dieu bénisse pour moi, papa m'a donné un pouvoir. Ouais, pouvoir, papa il a bah, ouais. Ouais. Bah ouais. Voilà. Prie. De toute façon, t'as jamais cru en moi, de toute façon, maman. Non, c'est pas que j'ai pas cru en toi, Michael, parce que ça fait 20 ans. Maman, je te connais, hein. Arrête, Michael. T'as jamais cru en moi. Arrête, Michael, arrête. Arrête, Michael, arrête. Arrête, Michael. Arrête, tu me connais parce que je vois que tu fais rien. Tu fais rien. Jamais j'ai vu. Tu es rentré avec quelque chose de bien, Michael. Chaque fois que tu as fait, j'ai rien fait. Tu as été chercher du boulot, non. Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi. Michael n'a absolument pas conscience de l'inquiétude qu'il suscite. Comme à chaque fois, pour éviter la discussion avec sa mère, il se réfugie dans sa chambre et monte le son. On n'habite pas seul, hein, il y a les voisins. Mais Esther ne veut pas en rester là. Elle revient à la charge. Il faut... Attends, la dernière fois, Monsieur Akoun, il est venu, il est en bas. Maman, là, je suis en répétition. Tu es en répétition. À chaque fois. Michael, je t'ai dit. À chaque fois, tu baisses, gages, toujours. Tu bah, baisses ça. Le sang. Va faire un tour. Oh, je vais faire... Je veux bien faire le tour va et je te laisse tour. La maison. Va faire un tour. Ouais, va bien sûr, tour. Bien sûr. Je fais un petit sel, t'as pas j'arrive. J'ai pas pour longtemps. J'ai pas pour longtemps. Tu m'énerves. Il me fait de la peine qu'il est tout seul, qu'il n'a pas de nana. Voilà, qu'il n'a pas de travail. Voilà, c'est ça le plus. Moi, j'aurais bien voulu qu'il ait une fille qui est honnête et qu'il aime profondément. Parce que ce n'est pas qu'il n'a pas eu des filles, il a eu des filles, mais par rapport qu'il ne travaille pas, les filles sont parties. Michael partage la passion de la musique avec son frère David. Ce dernier a l'habitude d'animer des soirées privées en tant que DJ amateur. Il a une proposition à lui faire. Une copine à moi, elle veut faire son anniversaire. Ouais. Dans un resto. Ouais. Ça te dit de venir animer avec moi ou pas? Bien sûr. Ah, mais il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Voilà, justement, c'est ça. C'est ça toi, toi, t'es payé, toi, non? Rien du tout. C'est, je rends service. Ah, tu ouais? Veux, tu veux, tu veux pas, c'est tu veux pas. C'est dans l'Oise. Ah, dans l'Oise. Ah, ah. Tu vois, dans l'Oise. C'est quand? Demain soir. Je donnerai la réponse demain matin, je sais pas, je vais voir. Pourquoi demain matin? Ou l'après-midi. C'est l'opportunité pour toi. Hein. C'est pas un truc. J'ai un truc vendredi aussi. Hein. Et on s'en fout. Et samedi, j'ai mon casting, je vais le crever, moi. Michael, ça s'appelle une notoriété. Bon, on va voir. C'est ça, okay, tu vois, regarde. T'as le temps moyen, tu veux faire, tu veux pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux bon, ou pas? On va réfléchir. Bon.
Michael n'a aucune obligation professionnelle, mais comme tout artiste qui se respecte, il ne veut pas s'engager à la légère et se fait désirer. Esther, de son côté, n'est pas convaincue du bien fondé de cette mission. Ultra possessive, elle ne veut pas que son petit dernier prenne la route de nuit. C'est quoi ton souci maintenant? J'arrive pas à comprendre. Mon souci parce que... Tu veux qu'aujourd'hui il évolue dans... Je veux qu'il dort chez toi alors. Tu veux... Il ne revient pas. Il dort chez moi. Si, si, je reviens. Tu veux qu'il évolue? Non, non, tu reviens pas. J'ai peur. Ah. 80 km aller, 80 km retour, 200 km pour moi. Maman. Gagner rien du tout, non. Et il revient dans la même situation qu'il était connu avant. J'ai envie de le faire. De quoi? Cette soirée, tu vas la faire ou pas? Bah écoute, pour faire plaisir, ouais. Je vais même... Vas-y alors, Mazel Tov. Les deux frères ont déjà animé une soirée ensemble durant laquelle David a dû supporter le comportement fantaisiste de Michael. Cette fois, il préfère prendre les devants et lui fait la leçon. Moi, la seule chose que je veux, c'est que quand je te dis que ça, c'est noir, que tu me dises que ça, c'est noir. Me prends pas la tête, me dire non, c'est gris, mais si je mets du blanco, ça sera blanc. Me saoule pas. Je veux aujourd'hui voilà, qu'on soit à 100% dans cette soirée. C'est pas un gros truc, donc je vais pas te mettre une pression à fond la caisse, mais j'aimerais vraiment que tu te donnes au meilleur de toi-même. Ah, par contre, une chose importante demain. Quoi? Pas de drague. Pas de drague? Pas de drague. Non, s'il te plaît, je rigole pas, je ramène une danseuse. Elle est mignonne, Elle est très mignonne. Célibataire? Non. Voilà. Même si elle était, je te dirais pas. Tu la dragues pas, s'il te plaît. Elle est là pour bosser. Elle moi, pas je là peux pour... donner mon email en moi. Tu donnes rien. Ah bon? Rien. Même pas mon numéro. Zéro. Même pas la moitié de. Même le 06, tu le donnes pas. Bah, après, t'as pas kiffé sur moi, ça j'ai fait. Non. T'es là pour travailler. C'est. Je veux pas. T'es pas là pour draguer. T'es pas là pour rien du tout. T'es là, tu fais une presta. Pour négocier en moi. Tu négocies rien du tout. Ça fait 16 ans qu'il fait ça. Si vraiment il s'était donné la peine de pouvoir justement se donner la chance et des moyens d'arriver à quelque chose, je pense qu'il y arriverait. C'est le jour J. Ce soir, Michael retrouve David pour 4 heures d'animation musicale. L'opportunité pour lui de montrer à son frère tout ce dont il est capable. Pour l'occasion, Esther ne peut s'empêcher de choisir la tenue de son petit dernier. Non, pas de blanc, Michael. Non, je réfléchis. Regarde. Comme ça. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Regarde, Michael. Regarde-toi. Regarde, Michael, regarde. Tu sais, j'ai du goût, moi. Tu prends toujours quand même un tricot parce que tu transpires. Quelques heures plus tard, sur le trajet, David est soucieux. Il adresse à son frère un dernier avertissement. Michael, arrivé là-bas, tu déconnes pas, s'il te plaît. Ouais. Sérieux, machin. Après, ils sont déjà là-bas, là. Il y a qui? Quoi, on n'arrive pas tout seul là à la salle? Là, on va directement à la salle. Oui, mais il y a qui à la salle? Ils sont pas là encore. Si, il y a Sandrine qui est là, bien sûr. Ah, ok. Une fois sur place, au programme, déchargement et installation du matériel. La soirée ne démarre que dans une heure et pourtant la tension entre les deux frères est déjà palpable. Voilà, Michael, donne-moi la rallonge noire. Deux secondes! Tu vois pas, je fais un truc? Démerde-toi, moi je fais le reste. Là, tu vois, tu commences déjà à me galérer. Avant que j'aie mon arrêt, tu poses tes lumières, moi je fais le reste. On a même pas commencé. Ça, tu le mets où? Fais ce que tu veux. C'est bon? C'est bon comme ça? Je sais pas. Là ou fais ce que tu veux. Voilà, je suis pas là, j'existe pas. Fais ce que tu veux. Okay. Voilà. Tu fais confiance? Non. C'est bon. Non! Puis si je te fais un réglage. Tu touches pas zéro. Là, c'est zéro. Et là, c'est zéro. Au-dessus, tu touches pas. C'est pas fait pour ça. Voilà, on me casse plus les pieds maintenant. Tes câblages! Exaspéré par le manque de professionnalisme de son frère, David s'emporte. Mais Michael ne se laisse pas déstabiliser, bien au contraire. Est-ce que tout est chaud, toi aussi, moi, ce soir? Moi, je suis toujours chaud. On va mettre de l'ambiance ce soir, vous allez transpirer, vous allez perdre du poids, ok? La soirée bat son plein, Michael se déchaîne. Il peut enfin donner libre cours à son talent, à la fois animateur, danseur et chanteur. David suit le mouvement imposé par son frère. Il n'a pas le choix. Tu préviens un peu quand tu fais ça. C'est pour ça. Non, mais je ne peux pas savoir. Tu veux chanter un Aznavour? Tu vas faire un Aznavour? Non, Roland. Tu vas faire laquelle? Non, je vais parler au Nord. Qui? Non. Tu veux chanter? Bah, il mange, je ne veux pas chanter une chanson qui bouge. T'es pas bête. Un peu d'Aznavour. Attends. Emporté par l'ambiance, Michael en oublie totalement les recommandations de David et va même jusqu'à séduire l'invité d'honneur sous ses yeux. Hormis le fait d'être provocateur,
il veut se sentir vis-à-vis des gens reconnu, connu et reconnu. Satisfait de sa prestation, Michael ne s'arrête plus. Ce matin, il tente le tout pour le tout en se rendant dans une célèbre discothèque parisienne pour passer une audition de DJ. La consécration pour lui. Et bien sûr, maman Esther et David ne sont pas loin derrière. C'est bon, tout marche ? Sûr de son talent, Michael est persuadé d'être un DJ professionnel. Aujourd'hui, il est jugé par Julien Big Jourville, directeur artistique de l'établissement. Mais Michael manque totalement d'expérience. En réalité, il n'a jamais été confronté à des professionnels. Emporté par son enthousiasme, Michael se lâche totalement, ce qui n'est pas pour déplaire à sa mère. Oubliant qu'il est ici pour être évalué sur sa prestation de DJ, il abandonne soudain les platines pour se lancer dans une démonstration de danse orientale. Mais Julien va vite calmer ses ardeurs. Globalement, sur tout ton set, on a tout le temps trop fait. Tu vois, ouais. La musique, tu l'as dénaturée. Tu nous as fait 50 passe-passe où t'envoies juste le petit gris. J'étais à côté de toi, j'avais une tête comme ça, tu rajoutais des caisses, tu peux pas parler technique, mais tu rajoutais trop de trucs. Mais t'étais même pas dans les temps. C'est pas très grave, je veux dire, pour toi, je veux dire. C'est pas en fait carré, quoi. C'est, toi, tu préfères carré, quoi. Faut que ça soit carré, quoi. Bah, moi, normalement, tu dois pas faire de faute. Ouais, c'est clair. Bah ouais. Si t'es un DJ professionnel, tu fais pas de faute. Il m'a dit que j'étais débutant. Alors moi, je pense ça parce que ça fait au moins 20 ans que je fais ça. Et je sais qu'un jour ou l'autre, j'y arriverai. Et voilà, moi, parce que les gens qui disent que je suis un amateur, moi, je supporte pas, ça me donne les nerfs. Donc moi, j'ai bossé comme tout le monde, j'ai appris comme tout le monde à faire du mix, tout ça. Donc pourquoi pas, je peux arriver. Et je sais que en moi, j'ai du potentiel. J'ai peur pour lui, pour l'avenir. Je ne suis pas jeune, je pense beaucoup à lui. Et j'espère, il va comprendre qu'il faut travailler et faire ça en plus. Michael va-t-il enfin prendre conscience qu'il est temps pour lui d'être autonome ? Notre coach, Alix Grandel, va tenter de le faire réagir. Bonsoir. Bonsoir. Alix Grandel. Enchantée. L'idée, c'est qu'il serait peut-être temps que vous, Michael, vous ayez un emploi pour subvenir à vos besoins. Je sais qu'un jour ou l'autre, tu vas m'ouvrir les portes. Et je sais que je vais réussir. Donc moi, je pense positif. Et je sais que je vais arriver. J'ai du talent, j'ai du potentiel. J'ai du piment et j'arriverai à avoir des contacts parce que je lâcherai pas l'affaire. J'entends bien, Michael. Mais sur le point de vue où votre maman vous dit, ok, qu'elle a confiance en vous, que la musique c'est important pour vous, et qu'en parallèle, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est quand même que vous trouviez même un job alimentaire pour subvenir à vos besoins, tout en gardant la musique à côté, en attendant que ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bah, franchement, je sais que je veux faire la télévision réalité. Je veux être présentateur, pourquoi pas ? Je compte bien de ma chance. La chance, ça existe à tout le monde. J'aurai une paye comme tout le monde, j'ai pas d'envie d'être riche. Je reçois une paye comme tout le monde. C'est tout. Comme ça, je peux faire ma vie tranquille. Voilà, j'aurai mon petit appart, j'aurai mon petit studio tranquille, voilà. Ma mère, elle sera fière de moi, justement, si je deviens une célébrité bien comme sûr. Tout le monde. Bien c'est sûr. Pas pour me la raconter, hein. C'est pas pour frimer, parce que j'aime ça, la musique. Michael ne semble pas mesurer l'importance de trouver un travail et persiste dans son idée de devenir un DJ connu. Face à son entêtement, Alix décide alors de le mettre à l'épreuve. Si vous souhaitez que les gens vous prennent au sérieux, que votre entourage vous prenne au sérieux, il est temps de passer à l'action. Ça c'est va des venir. Actes. Bah, si ça j'ai vient fait, pas demain, Michael. C'est aujourd'hui, si c'est pas fait, demain. Ah, mais ça va venir. Hein. Vous inquiétez pas. Eh bien alors, très bien. Ben alors, c'est maintenant. Moi, je vous ai préparé un CV. Deux mois. Non, c'est maintenant le CV, c'est vous pas avez, demain. Vous m'avez préparé un CV. Je vous ai préparé une maquette de CV. Ah, ce que je vous demande, c'est de commencer à le remplir pour qu'on soit dans le factuel et pas uniquement dans l'irréel. Moi, ce que j'attends de vous, c'est du concret. Le concret ? Du concret. Ça va arriver. Après plusieurs années d'inertie, Michael a enfin accepté de rédiger un CV. Il va en imprimer une vingtaine pour les déposer dans les agences d'intérim. Bon, maman, t'inquiète pas, demain, dès que je me lève, elle m'a laissé un CV. Je vais remplir tout ce que j'ai fait avant, et puis après, je vais faire des photocopies, et puis bon, bah, je vais tenter ma chance.
à ce que je veux faire. Je serai fier de toi. Bah, mais t'inquiète, tout le monde sera fier de toute façon. Tu me donnes la promesse ? T'inquiète, promis. T'inquiète. Je vais faire demain. Regardez bien dans les yeux. C'est une vraie t'inquiète promesse. T'inquiète pas, moi. T'as confiance en moi ou pas ? La vérité, non. Je te connais. Ah bah c'est très bien. Tu m'as dit non, bah je vais te montrer le contraire alors. Alors c'est bien. Voilà, c'est là, bien. Tu me fais montrer une preuve voilà. d'amour. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, je serai fière de toi. Okay. Et je veux mourir en paix. Ouais, non, t'inquiète voilà. pas. Tu seras okay. heureuse. Voilà. Pour regagner la confiance d'Esther, Michael devra tenir sa promesse et se prendre en main. Si le jeune homme croit toujours en lui, de son côté, Patricia ne croit plus en l'avenir de son couple. Voici pourquoi. T'as jamais mis une jupe comme ça. Jamais. Jérôme, arrête un peu là. C'est bon, hein. Il y a fort longtemps, j'ai appris pas mal de choses. Arrête un peu, tu t'as fait des idées. Tu m'as caché pas mal de trucs. Bah oui. Mais donne quand même ton avis. Mais mon avis, à chaque fois que tu me demandes... Au moins, tu me le diras, tu me diras, voilà, je t'ai donné mon avis, maintenant tu fais comme tu veux. Tu m'énerves. Mais arrête, on peut jamais rien dire pour toi. Hein? Tu m'as demandé de te proposer quelque chose. Je te propose quelque chose, mais attends, je te dis, je te laisse choisir l'endroit. Mais t'es incroyable, hein. Pour moi, c'est fou. Tu veux que tout se joue comme un monsieur veut. Pour moi, c'est fou, ça y est. Ouais. D'accord. Tu vois, pour moi, tu vas même pas changer, tu restes pareil. C'est bon, hein. Si tu veux qu'on arrête, on divorce et puis c'est bon. Tu es mon pilier, tu es mon oxygène. Tu es tout pour moi. La jalousie et les suspicions de Jérôme, Patricia, sa femme, les subit depuis 3 ans. Chauffeur routier international, Jérôme ne rentre qu'en fin de semaine et selon lui, sa femme doit l'attendre patiemment à la maison. Seulement voilà, Patricia voit les choses autrement. Alors quand le vendredi soir, elle rentre après son homme, l'accueil qu'il lui réserve est des plus glaciales. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu me reproches encore? J'arrive. T'es où? J'arrive. Hein, j'arrive, c'est pas me dire où tu es. Je vais à un magasin, je te cache quelque chose. Attends, je vais au magasin, attends, je te cache quelque chose. Il y a pas longtemps, j'ai appris pas mal de choses. Arrête un peu, tu te fais des idées. Tu m'as caché pas mal de trucs. Bah oui. Tu commences à me gonfler, Jérôme. Hein. C'est drôle quand c'est un sujet. Va te trouver quelqu'un qui aime bien. Hein. J'en sais rien, trouve-toi quelqu'un d'autre, je te l'ai déjà dit. Mais à chaque fois qu'il faut entamer un sujet sur toi, à chaque fois que tu me sors la même phrase, va voir quelqu'un d'autre, va voir ailleurs. Tu m'énerves. Mais arrête, on peut jamais rien dire sur toi. On peut jamais rien dire. Tu vas où tu te sens le mieux. Si tu vois que ça va pas ici, bah tu vas voir ailleurs. Aujourd'hui, les soupçons de Jérôme sont tels que le couple se déchire sans arrêt. Pourtant, il y a 13 ans, lorsqu'il rencontre Patricia, elle ne vit pas recluse. Elle travaille alors dans un bar de nuit au Gabon. Lui fait son service militaire. Leur amitié se transforme très vite en amour. 4 mois plus tard, Jérôme, fou amoureux de Patricia, l'épouse à Libreville. Il accueille ses 2 enfants, Frankie et Myriam, qu'elle élève seule. Petit à petit, la famille s'agrandit avec la naissance de Jennifer, Géraldine et enfin la petite dernière, Georgia. Mais aujourd'hui, les instants de bonheur et de tendresse se sont envolés. La réalité de ce couple est devenue dure. Toute la semaine, Jérôme, au volant de son camion, imagine le pire. Sa douce, dans les bras d'un autre. Le fait qu'on n'est plus ensemble tous les jours comme on était enfant, je me fais des films. Je m'imagine qu'elle doit en avoir marre et puis qu'elle a rencontré quelqu'un et puis qu'elle va partir avec. Et quand il ne roule pas, il écrit à Patricia tout ce qu'il n'a pas réussi à lui dire le week-end. Mais depuis quelque temps, je me demande où nous allons et ce qui va advenir de notre couple. Le désarroi de Jérôme, aujourd'hui, Patricia refuse de l'entendre. Elle ne lit même plus ses lettres. Pour elle, ses écrits ne sont que des mots, des années de promesses en l'air. Alors pour se donner du baume au cœur, elle fait du shopping. C'est uniquement là qu'à 34 ans, Patricia se sent une femme séduisante. Pour se sentir plus épanouie, Patricia, mère de famille exemplaire, souhaite retravailler. Mais à cause de la jalousie de son mari, le choix est difficile. Toi, t'aimes pas que je travaille dans les bars, qu'est-ce que tu me verrais faire? Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je te demande... Déjà, non, me demande pas déjà ce que moi je veux que tu fasses. Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Déjà, la première question, toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? J'ai travaillé en boîte, t'aimes pas. Mm-hmm. Hein? J'ai été travailler autour de brasserie à Saint-Quentin, tu n'aimes pas. Étant donné que maintenant tu me caches des choses, tu fais comme tu veux, puis tu ne dis plus rien et puis c'est tout, puis je ne te demanderai plus rien. Tu te défiler, hein? Non, je me défile pas. Merci. Je me défile pas. Je t'ai posé une question, mais donne quand même ton avis.
Mais mon avis, à chaque fois que tu me demandes... Au moins, tu me diras, voilà, je t'ai donné mon avis, maintenant tu fais comme tu veux. Et à chaque fois que tu m'as demandé mon avis, que je t'ai donné mon avis... Mais là, maintenant, je te le demande. Je te donne plus mon avis, parce que mon avis, tu t'en fous. Parce que t'as rien à dire, alors. Non, parce que tu t'en fous de mon avis, donc mon avis, je le garde pour moi, maintenant. T'as rien à dire, c'est... Mon avis, je le garde pour moi, maintenant. Là, t'as rien trouvé avant. T'as rien trouvé de bon. Oui. Voilà, c'est comme mon ça avis, alors que trois quarts du temps, ils s'en foutent de mon avis. Mais faut pas exagérer non plus. Ouais, il sait pas quoi dire. Et c'est vraiment me prendre pour ce que je suis pas. Le couple, franchement, forme même plus un couple parce que. Un couple, on doit tout partager. Un couple, on doit normalement tout partager. En plus, que la semaine, on se voit pas. Donc, on devrait bien se retrouver le week-end, quoi. On devrait bien se retrouver, faire des choses ensemble, mais ça ne nous arrive plus. Dès le lendemain, pour tenter d'apaiser les tensions, Patricia propose à son mari de partager un moment ensemble. Mais Jérôme va très vite se braquer. Ça te dirait de faire quoi aujourd'hui? Je te propose, après si t'es pas d'accord, après c'est toi. Hein. Je vais pas te forcer. Mais t'as peut-être une idée, toi? Aller faire dans l'après-midi, aller faire du lèche-vitrine, si ça te dérange pas. J'ai pas envie d'aller dans les magasins. Trouve autre chose. On va dans un magasin là où il y a aussi pour hommes et puis voilà, tu sais, ça va pas te paraître long en fait. Hein, propose autre chose, trouve autre chose, mais arrête avec les magasins. Toi, ta tête, tu n'as rien trouvé. Quelque chose ensemble, eh ben, allons boire un verre. Allons nous mettre une terrasse, partager un moment à deux comme ça. Commencez déjà pour par ça. D'accord. Oui. Mais c'est toi qui proposes, c'est moi que tu demandes où on va. Non, tu vois, je te propose une solution, je te laisse choisir l'endroit. Ben, c'est ça. Je t'ai dit que je venais, donc c'est pas la peine de faire. Oui, mais je te laisse choisir l'endroit où on va aller. Mais pourquoi c'est moi que tu le vois, je vais te suivre. Moi, je te propose. Attends, tu m'as demandé de te proposer quelque chose. Je te propose quelque chose, mais attends, je te dis, je te laisse choisir l'endroit. Mais t'es incroyable, hein. T'es incroyable. J'appréhende d'aller au café, oui. Parce que je sais pas comment que ça va se dérouler, je sais pas comment que ça va se passer. C'est ça que j'appréhende, quoi. Qu'il y ait quelqu'un qui se mette là-bas, qui se mette à la fixer, et puis que ça va encore me bouffer, me ronger, ça va m'énerver. Il est 14h, le couple se décide enfin à sortir. Jérôme est angoissé à l'idée de s'afficher avec sa femme en présence d'hommes. Malgré le froid, c'est en terrasse qu'il s'attable, le visage fermé. Tu veux qu'on se mette à la terrasse? Hein? Tu veux qu'on se mette à la terrasse? On va parler de l'intérieur, j'ai froid. T'auras ta froid, t'avais quoi te couvrir. T'avais quoi te couvrir. Donc pour toi, une femme mariée, et en plus j'ai 5 gosses, je devrais m'habiller comment? Comme la mère qui va là? T'as froid. Non, tu sais qu'il fait frais. Donc la personne qui a fabriqué ce short, je pense pas que c'est le seul article qu'ils ont pu fabriquer. Je crois qu'il y en a, ils doivent encore entraîner dans les magasins. Donc ce qui veut dire qu'ils ont approuvé qu'on pouvait mettre ça. Donc je le mets. J'aimerais que tu arrêtes de me critiquer de ma façon de m'habiller, c'est pas vulgaire. Ils étaient pourtant venus dans ce café pour essayer de se retrouver. Mais la jalousie excessive de Jérôme a encore tout gâché. Exténuée de devoir toujours se justifier, Patricia rend les armes. Moi aussi, je suis fragile quelque part. Peut-être parce que je me débrouille trop, que là, tu vois un homme en face de toi maintenant. C'est même plus une femme. Donc même si je souffre, tu t'intéresses même plus si je souffre. Et toi, tu me parles d'homme et tout, de machin. Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi, d'aller avoir un copain? C'est même pas mon temps. On m'a pas éduqué comme ça. Mais je t'arrête tout de suite. Aucun homme ne m'intéresse. Par moment, j'ai l'impression que tu me désires plus. Par moment, j'ai l'impression de ne pas te satisfaire. C'est une situation qui me fait beaucoup de mal. J'aimerais pouvoir lui apporter tout ce qu'elle attend de moi. Je sais pas quoi faire. Into the streets of your mind, I get lost once in a while. Crystal clear antagony, your soul is not the right for me.
baby doll, you're a pawn song. Sur le chemin du retour, Patricia, qui veut encore y croire, propose à Jérôme de sortir en discothèque ce soir avec sa cousine Kelly. Alors qu'il n'aime pas les boîtes de nuit, il accepte à contre-cœur. Et voici Kelly, 33 ans, 1m60, 44 kg, une plastique de rêve. Rien pour rassurer Jérôme. Deux heures plus tard, les jeunes femmes sont enfin prêtes. Monsieur. Elle est pas un peu. Tu t'es jamais habillée comme ça. Mais tu gardes cette jupe, jeune gars. Il aurait un autre temps pour me demander de changer de vêtements. D'accord, mais là, il impose quoi. Si j'ai cette jupe, il vient pas. Tant pis, il reste là. Tu prends sur toi, tu essaies, tu lui parles gentiment, tu t'énerves pas. Je prends beaucoup sur moi, mais là, je suis fatiguée. Non. Tu essaies d'aller le voir. Elle a jamais mis une jupe comme ça. Jamais. L'aile s'habiller comme ça, ça enlève quoi? Ça n'enlève pas que c'est ta femme, ça n'enlève pas que ce soit la personne que tu connais depuis plus de 10 ans. Ça n'enlève pas que ce soit la personne qui assume ses responsabilités, quoi. C'est rien du tout. Elle s'habille comme ça déjà au départ. C'est pour te faire plaisir à toi. C'est pour que toi, tu la vois autrement. C'est pour que tu la regardes, que tu aies confiance en elle. Et c'est pour ça qu'on devait sortir ce soir. Elle s'habillait comme ça spécialement pour que toi, tu la vois autrement ce soir. C'est pas pour te chercher, pour, je sais pas, pour te provoquer ou quoi que ce soit. Là, je peux pas l'accepter. Cette jupe-là, je peux pas l'accepter. D'accord. C'est un bout de tissu pour moi. C'est pas une jupe, c'est un bout de tissu. Quand c'est comme ça, c'est ta femme, tu la prends, tu parles avec elle, mais gentiment, il n'y a pas besoin de s'énerver. C'est pas en boudant chacun de son côté que ça va s'arranger, je suis désolée. Les propos de Kelly portent leurs fruits. Jérôme est prêt à trouver un terrain d'entente si Patricia accepte de se changer. Mais très vite, la colère va reprendre le dessus. Tu mets ce que tu veux. Tu t'habilles comme t'as l'habitude de t'habiller. Pas changer tes habitudes. Et la jupe, là, elle est à qui? Elle est à moi, là, celle-là, elle est à moi, cette jupe. Comment? Tu l'as portée combien de fois? Plusieurs fois. Ah bon? Bah oui, c'est à moi, ta jupe. Et depuis quand tu l'as? Non, tu fais pas attention aux vêtements que j'ai, c'est tout. Non, celle-là, je t'ai jamais... Bon, écoute, je suis fatiguée de me disputer, Jérôme, s'il te plaît. Écoute, c'est bon, hein. Si tu veux qu'on arrête, on divorce, et puis c'est bon. Je suis fatiguée, là. Qui est-ce qui lève le ton là? C'est pas moi. C'est vrai quoi, j'ai juste parlé de ça. Non, là je suis fatiguée, franchement je suis à bout là. Arrête de jouer avec mes nerfs comme ça. Arrête de jouer avec mes nerfs, c'est bon. Si toi c'est ça, ça t'amuse, moi ça ne m'amuse pas du tout. Je suis fatiguée, franchement je suis fatiguée là. Tu dis, tu choisis une tenue comme t'as l'habitude de t'habiller habituellement. Là, tu te prends pour qui? Dis-moi un peu, tu te prends pour qui, là? Tu te prends pour qui? C'est tout, c'est comme monsieur a dit, c'est ça, quoi. Comme monsieur a dit. Très bien, bon, on en reste là. Pour moi, c'est fini. Tu veux que tout se joue comme monsieur veut? Pour moi, c'est fini. Hein? Ça y est. Ouais. D'accord. Un simple bout de tissu trop court et le couple envisage la rupture. Pour Patricia et Jérôme, cette situation devient invivable. Ok. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es une boule de nerfs comme ça? Je t'ai pourtant dit de te calmer. Hein? Arrête, hein. Aucune excuse de part et d'autre, chacun semble prendre sur soi. Minuit, c'est enfin l'heure du départ pour la discothèque. Et l'ambiance est pour le moins tendue. Peu à peu, Patricia retrouve le sourire.
De son côté, Jérôme, qui n'aime pas voir sa femme s'amuser, préfère sortir prendre l'air. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water. But now I've gotten in too deep. J'ai fait plus de mal que de bien. Every piece of me that wants you. Je l'ai rendu malheureuse. Jérôme prend alors conscience qu'il doit changer. Mais le lendemain, il n'y parvient toujours pas. Impossible pour lui d'accorder sa confiance à sa femme. Elle doit justifier ses moindres faits et gestes. Une situation que Patricia ne supporte plus. Et pour cause, un simple rendez-vous médical pris sans l'avertir. Et Jérôme s'imagine le pire. Mais laisse-moi finir. Mais tu interprètes mal. J'interprète pas mal, laisse-moi finir. J'ai demandé tu à la fille. Mais non, tu mais écoute-moi, écoute, pas, là tu veux gagner, je ne sais pas ce que tu as envie de gagner du temps, là, mais je t'explique moi. Tu ne laisses pas finir de m'expliquer non, que tu me coupes c'est moi, la parole. C'est moi qui t'ai expliqué. Ça m'énerve aussi. C'est moi qui t'ai expliqué. Laisse-moi finir t'expliquer. C'est moi qui t'ai expliqué, tu as parlé, Jérôme. Je t'ai laissé tu parler, maintenant laisse-moi parler. Tu veux interpréter ça comme tu veux. Oui, parce que tu veux l'interpréter à ta façon. Eh bien écoute, on va rester comme ça et puis c'est tout. Donc arrête un peu de vouloir faire la raison du plus fort. Non, c'est pas que je veux faire la raison du plus fort. Je commence à parler. Tu veux me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est ce que tu, c'est ça ton but là. Tu veux me faire répéter ce que je n'ai pas dit. Je veux pas te faire répéter ce que tu n'as. Laisse-moi finir d'expliquer. Et tu me coupes après. Mais je commence à expliquer. Mais non, vas-y, tu coupes tout de suite. Vas-y. Pourquoi? Pour que tu me coupes encore. Maintenant, tu me donnes plus envie de parler. Arrête, arrête tes histoires là. Arrête, arrête. C'est terminé. Arrête. Tu sais, Jérôme, de toute façon, tout le cinéma que tu peux faire là, moi, je te crois pas. Aujourd'hui, pour éviter les frictions à la maison, chacun reste dans son coin. Et c'est comme d'habitude en lui écrivant une lettre que Jérôme tente une réconciliation. Mais au bout de 20 minutes, il bloque. Lorsque je te regardais danser, j'ai revu cette belle jeune femme qui m'a... Et puis là, je trouve pas le mot qui pourrait... Cette belle jeune femme qui m'a envoûté. Jolie. Mais pourquoi tu ne me le dis pas directement? Non, ce matin, on a voulu discuter. Ce matin, c'était impossible de discuter. Tu m'aurais dit ça, tu aurais parlé comme ceci. Je ne pense pas qu'on serait discuté. Je ne pense pas. Les mots d'amour de Jérôme ne changent rien. Patricia, qui n'y croit plus, reste de marbre. Je pense pas avoir tenté ce qu'il fallait. J'ai tenté plusieurs choses, mais peut-être pas ce qu'il fallait. J'ai peut-être pas encore réalisé à quel niveau on en est aujourd'hui. Pour tenter de sauver ce couple, notre psychologue vient passer une journée entière en leur compagnie. Elle commence par regarder des extraits du reportage avec Patricia. J'interprète pas mal, laisse-moi finir. J'ai demandé tu à la fille. Mais non, mais écoute-moi, écoute, pas, là tu veux gagner, je ne sais pas ce que tu as envie de gagner du temps, tu là, mais pas, je t'explique tu moi. Finir de non, que tu me c'est moi qui t'explique. Ça m'énerve aussi. C'est moi qui t'explique. C'est moi qui t'explique. Tu as parlé, je t'ai laissé tu parler, maintenant laisse-moi parler. Tu veux l'interpréter comme tu veux, ouais, parce que bon. Tu veux l'interpréter à ta façon. Eh bien, écoute, on va rester comme ça, voilà. Et puis c'est tout. Donc arrête un peu de vouloir faire la raison du plus fort. Qu'est-ce que vous éprouvez en ce moment? Là, en regardant. Voilà. Je me vois quand même que je ne suis pas assez gentille. Je ne le laisse pas parler. Il ne peut rien dire, en fait. Exact. Donc, voilà, ouais. Il s'étouffe. Oui, exactement. Ben, c'est très bien vu. Pourquoi est-ce que c'était si compliqué de répondre à la question qu'il vous posait? Vous aviez peur des conséquences? Non, c'est pas ça. C'est que le but, c'était pas de lui cacher, puisque je lui avais montré le message. C'est la façon que lui l'a interprété. Donc, je me suis dit, c'était pas la peine que je lui montre le message, quoi, comme il le prend comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est efficace? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il vous comprenne? Le laisser parler, l'écouter et puis moi répondre. Très bien. Eh bien, on va essayer de mettre ça en pratique.
À présent, Catherine Muller cherche à comprendre pourquoi Jérôme se montre aussi suspicieux. Vous avez confiance en elle ou vous n'avez aucune confiance en elle ? Je voudrais me dire en tête que j'ai toujours confiance en elle, mais par moments, j'ai des doutes. Quand on a perdu confiance en soi, déjà... Qu'est-ce qu'elle a espéré en venant vivre en France ? J'en sais rien. Elle souhaitait quelqu'un pour qui elle soit très importante. C'est ce qu'elle a trouvé dans votre couple quand elle vous rencontre au début. Parce qu'elle est très importante pour vous. Elle est toujours très importante. Oui, mais elle ne le sent plus. Quand vous la soupçonnez de choses qu'elle n'a pas fait, elle ne peut pas se sentir importante à vos yeux. Qui est-ce qui vous a trahi gravement dans votre vie pour que vous en arriviez à soupçonner quelqu'un que vous aimez ? Qui est-ce qui vous a caché des choses graves qui vous ont fait du mal ? Ma mère. Qu'est-ce qu'elle vous a caché, votre mère ? Quand elle me dit que quand elle a su qu'elle était enceinte de moi, qu'elle avait tout fait pour me perdre. Oui. De quoi soupçonner toutes les femmes, toute sa vie, de toujours cacher quelque chose ? Bien sûr que oui. Maintenant, est-ce que Patricia doit payer une partie de la note ? Non. Voilà, je suis contente de vous l'entendre dire. Ce n'est pas juste. Si cette blessure du passé n'est pas encore cicatrisée, aujourd'hui, Jérôme s'entend bien avec sa mère. Mais Catherine a repéré un autre problème dans le couple, leur manque de communication. Elle les encourage donc à se parler à cœur ouvert. Ah, je me suis souvent posé la question de savoir si, avec moi, tu étais satisfaite sexuellement. J'aime pas trop faire l'amour, Jérôme l'a remarqué. Je fais l'amour avec lui parce que c'est mon mari, quoi, c'est mon devoir. Si je commence à refuser, il va se poser des questions. En général, est-ce que tu es heureuse avec moi ? C'est ou oui ou non. Non. Non, Jérôme, restez là. Face à cette situation de crise, Catherine va réconforter et rassurer Jérôme sur les sentiments de sa femme. Très vite, Patricia, qui ne veut pas perdre son mari, le rejoint et lui ouvre son cœur. Parlez-lui comme ça en le regardant. J'ai fait appel à l'émission pour qu'on trouve une solution qui nous aide. Je me sens malheureuse quelque part, c'est parce qu'on n'arrive plus à communiquer. C'est pas parce que je ne t'aime plus. Ça, je t'aimerai toujours. C'était pas que je ne t'aimais plus, que c'est parce que la vie qu'on a, on se communique plus tout. Il n'y a plus rien qui va comme avant. C'est par rapport à ça que je t'ai dit que j'étais malheureuse. La communication, et puis il n'y a plus de confiance, c'est par rapport à ça. C'était par rapport à ça, Jérôme. Bah, tu es mon pilier, tu es mon oxygène, tu es tout pour moi. Je suis ton mari, rien d'autre. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la confiance et le respect sont les bases qui font les couples heureux ? Est-ce que vous êtes prêt à essayer de vivre ensemble dans la confiance mutuelle et le respect mutuel ? Est-ce que ça vous paraît possible ? Moi, oui. Je remarque que vous avez dit oui en même temps et d'une seule voix. Oui, parce que je veux retrouver. D'accord. Je veux la retrouver. Ça peut peut-être avoir. Je t'aime. Je t'aime. Je veux pas te perdre. Depuis notre reportage il y a 3 ans, Patricia et Jérôme sont parvenus à surmonter leurs difficultés. Plus que jamais amoureux, ils vont même prochainement se marier à l'église. Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur. Voici à présent l'histoire de Régine qui voue un amour immodéré à ses chiens. Je suis pas la mère parfaite, t'es pas la fille idéale non plus, ça te va ? Mon cousin, vous, ces amours-là ! Je te rends pas compte que c'est aberrant, quoi, ce que tu racontes. C'est des rapports très tendus avec mes enfants à cause de ça. Parce que mon choix, il est fait sur mes animaux. Je souhaite passer aucun moment avec toi de particulier parce que c'est toujours un enfer. Salut, bon vent ! Ciao ! T'es un gros câlin à sa maman, wow. Il y a plus une relation enfant-parent avec vos chiens qu'avec vos propres enfants. Le plaisir que ça peut donner, je réalise pas, quoi. Mais t'es une écorchée vive et une invivable. En bref, une chiante, quoi. Vivre, hein.
Après, on s'étonne que je vive avec des animaux. Désolée pour ma fille, mais... peste. À 58 ans, Régine ne vit que pour ses chiens, au grand désespoir de Sarah, sa fille cadette, âgée de 20 ans. La jeune fille ne comprend pas l'amour démesuré que sa mère porte à ses boules de poils et se sent rejetée. Il faut dire que Régine considère ses animaux comme ses propres enfants, et spécialement Phileas et Frésia, ses deux petits charpés récemment adoptés. Pour Sarah, c'est insupportable et honteux. Elle considère les animaux comme supérieurs aux êtres humains, et là-dessus, je suis sûrement pas d'accord, quoi. On peut pas confondre un animal avec un de ses proches, un humain, quoi, tout simplement. Mais Régine n'a que faire des remarques de Sarah. Entre ses enfants et ses bêtes, le choix est vite fait. Je sais que des fois c'est interdit, mais là... Cette quinquagénaire a transformé sa maison en arche de Noé, où une vingtaine de pensionnaires à poils ou à plumes ont trouvé refuge. Ses animaux sont devenus sa raison de vivre. Ça suffit amplement à ma vie. Bon, j'ai aussi des enfants, c'est vrai. Mais bon, mes chiens passent avant tout. Peut-être parce qu'ils ont davantage besoin de moi, je sais pas. Ce sont mes enfants, ce sont mes... C'est ma vie, voilà, ce sont mes chiens. Régine est la patronne d'un restaurant très apprécié de la région. Depuis un an, Sarah travaille à ses côtés. Mère et fille se côtoient donc quotidiennement, ce qui renforce les tensions entre elles. Il est midi, les serveurs sont en plein boom. Régine arrive comme une fleur avec ses chiots. Le ton est donné. Ouf! Bon, enfin! Oh, on respecte les chiens ici, hein, s'il vous plaît. Hein. Allez, les toutous, au parc. Oh, ils t'ont même pas mis d'eau propre. Franchement, ils sont pas sympas. Allez, hop. Chaque jour, Sarah assiste à la même scène. La rancœur entre les deux femmes est tellement vive que mère et fille n'échangent pas même un bonjour. Mais Régine s'en moque, elle a bien plus important à faire en cuisine. Vérifier ce qui sera servi ce midi, non pas aux clients, mais à ses petits charpés. Je voulais savoir si c'est bien d'aujourd'hui, si c'est bien frais. Hein? Les magrets aussi, il n'y a pas de gras? T'es sûr, hein, parce que mes chiens mangent comme les clients. Je vais garder les meilleurs morceaux, hein, comme d'habitude. Je leur ai demandé un poulet pour les chiens, je leur ai pas demandé de me faire une déco, regarde-moi ça. On soigne les chiens. Oh, et les gousses d'ail, c'est pas bon pour les chiens, les gousses d'ail. Ah, Nasser, pas d'ail pour les chiens. Jamais content. Le restaurant est bondé, mais cela n'empêche pas Régine de papouiller ses chiens sous le regard médusé de sa fille. Oh, voilà, un gros câlinou après avoir fait miam miam. Oh, puis ses yeux qui pleurent. Oh, franchement. Oh, oh, puis t'as le nez qui coule. Je suis sûre qu'elle est enrhumée. Et lorsque Régine daigne enfin adresser la parole à sa fille, c'est pour une commande des plus spéciales. Sarah, je pourrais avoir pour mon ami Monsieur Cocker une gamelle. Une gamelle pour le chien. Bien dégueulasse. Pardon? Comment tu trouves ça dégueulasse? Allez, regarde, il a sa gamelle, c'est normal, on sert le chien avant le mec. Hein? Oui, ben justement, c'est normal. Comment c'est anormal? Normal pour toi, pas pour moi. Non, pour la majorité des gens. Allez. Ici, le client est roi, surtout s'il a quatre pattes et une truffe. Ils sont méchants avec toi. Hein? Puis il a pas eu l'assiette de toast. D'accord, on sait que c'est pour le chien, mais on dit rien. Je trouve son comportement envers nous, envers ses animaux, ou envers ses clients, excessif ou déplacé. Qu'elle est un peu à côté de la plaque, quoi. Un peu en dehors de la réalité. Bien en dehors de la réalité, même. Au-delà du comportement excessif et fusionnel de sa mère envers ses chiens, Sarah ne peut accepter les dépenses astronomiques qu'elle effectue pour le bien-être de ses petits protégés. Alimentation, vétérinaire, gadgets en tout genre, la somme peut atteindre 1000 euros par mois. Quand tu te fais les mèches, ça coûte combien? Oui, mais c'est de temps en temps, c'est mon plaisir personnel, quoi. C'est... Oh, quoi, comment on est d'accord? C'est pas excessif, c'est... quoi. On parle pas de 150 euros à 1000 euros, quoi. C'est... Les sommes sont différentes, c'est quoi. Mon plaisir personnel. C'est mes chiens. Je dépense plus de 1000 euros pour un chien dans le mois. Enfin, 1000 euros, des familles qui ont que ça pour se nourrir, quoi. C'est des caprices, super. En fait. Mais c'est pas des caprices, si, Sarah. C'est des caprices. C'est ma vie, c'est mes chiens, je fais ce que je veux. C'est me faire plaisir, voilà. Face à l'entêtement de sa mère, Sarah est à court d'arguments.
Si l'opposition est aussi violente entre mère et fille au sujet des chiens, ce n'est pas sans raison. En réalité, ce rejet cache un conflit beaucoup plus ancien et profond. À la naissance de Sarah, Régine a 40 ans. Mère célibataire et déjà gérante de son restaurant, elle n'a pas la force d'élever seule son enfant et la confie à un couple de voisins. Pendant des années, le fossé entre mère et fille se creuse. Une blessure qui fait encore souffrir Sarah aujourd'hui. La jeune fille ne peut concevoir et accepter que sa mère accorde autant de temps et d'affection à des animaux alors qu'elle-même en a atrocement manqué étant enfant. Bon allez les chéris, c'est dimanche! Aujourd'hui, Sarah aimerait rattraper le temps perdu et partager des moments avec sa mère, mais Régine ne l'entend pas ainsi. Elle sacrifie tout, y compris le traditionnel déjeuner dominical qu'elle organise à sa façon. Et non, ce n'est pas avec sa fille, mais bel et bien avec ses animaux que Régine partage deux gros poulets fermiers. Rien n'est trop beau pour ses petits amours. Petit poulet de grain pour mes chéris. On se réunit une fois par semaine, comme une vraie petite famille. Et en général, ben, c'est poulet rôti, bon, parce que c'est ce qu'ils préfèrent. Donc le samedi ou le dimanche, selon mes possibilités, on fait un repas à la campagne, en famille, avec les animaux, perroquets compris, qui mangent les nonos. Le vieux, ma petite rame. À table, Régine se comporte comme une véritable mère avec ses enfants. Bon, mais il aime peut-être plus le poulet que sa maman. Hein. Une petite bouchée pour maman, une petite bouchée pour Maxou. Miaou, miaou, j'ai pas le temps de te le couper aujourd'hui, débrouille-toi. C'est pas un dimanche de tout repos avec vous, hein. Mais j'habite chez mes chiens, quoi, j'ai le droit à rien, hein. Qui c'est qui fait la loi ici? Non, Harry, on se sert pas à table, je suis désolée. Non! Et le nonos, on va le garder pour le perroquet, il adore ça. La vie de famille, c'est à chacun son tour. Hein? À cause du mode de vie de sa mère, Sarah lui rend très rarement visite. Et lorsque c'est le cas, la tension est palpable. Bonsoir. Salut Sarah. C'est toujours aussi charmant. Mais non, je suis désolée, je suis en train de préparer. Regarde, j'ai les mains dans la gamelle des chiens. Je suis désolée. Deux petites secondes, je m'occupe de toi, j'arrive. Hein? Excuse-moi, je me rince les mains. Hein? Désolée, voilà. À peine arrivée, Sarah se sent oppressée. Il y a un endroit où s'asseoir, où il n'y a pas de coussin de chien. Ah ben, tu fais comme d'habitude, tu les balances, hein, tu les jettes, hein, parce que je sais que t'aimes pas ça, voilà. Pour Sarah, le comportement de sa mère avec les animaux est loin d'être sain. Elle compte bien le lui dire. Vu qu'ils sont pas entretenus, que forcément c'est sale, plein de puces, donc c'est rare. Ah oui, c'est... Oh, les puces, ça, certainement, oui. Ça reste un animal, quoi, ça se lave. Hmm? Ça va se rouler dans la poussière, dans la boue... Ça se lèche les fesses, enfin... Ils ont besoin d'entretien, quoi. Comme toi, tu as besoin de te laver chaque jour, d'avoir l'entretien de tes ongles. Un animal, ça reste pareil, quoi. Les chiens qui couchent sur tes vêtements, qui dorment non, avec c'est toi des dans c'est les des tapis, c'est non, des mais quand tu les traînes dans la voiture, il y a tes vêtements, ils sont dessus allongés quand ils ne les mordent pas ou ne les détruisent pas, quoi. Enfin, tu leur fais cuire leur riz et leur viande dans des poêles... dans des marmites dans lesquelles tu dois certainement manger parfois. Enfin, c'est ignoble quand tu sentais cette odeur, quoi. De nourriture en train de bouillir, de macérer. Enfin, c'est ignoble, quoi. En bref, je dois sentir le chien, oui, ben, finalement. Oui, ouais. C'est le cas. Hein, ouais. Ça dit un jour que je sentais le moisi, qu'on était tous moisis ici. C'est ton mot, tu aimes bien le moisi. Hein? Mais tu m'as dit que c'était moisi chez moi. Combien de fois tu m'as dit tes coussins, ils sont moisis. C'est ton mot, quoi, voilà. Oui, ben mes chiens, ils mangent du moisi, oui, sûrement. Oui, c'est certain. Certain. Voilà, ça peut te faire plaisir. Mais pour Sarah, il y a pire encore. Régine est persuadée de ne faire qu'un avec ses chiens. Mais tu te rends pas compte que c'est aberrant, quoi, ce que tu racontes. Ben, c'est aberrant pour toi, ça l'est pas pour non, moi. Non, c'est aberrant, n'importe qui entend ça, c'est ridicule. Je suis en osmose avec mon animal, quoi. Ben, je suis malade illégalement. Enfin, non, si, mais ridicule, mes chiens même, vivent avec moi à la campagne. Donc, non, ils mènent une vie saine. Oui, ils ne vie sont pas saine. Comme toi. C'est pas quand tu es malade, quand tu es heureuse, non, le chien va être également. Ils mènent une vie assez saine. Ils respirent de l'air pur et du grand air. Et c'est vrai que dès qu'il y a de la fumée, ils toussent. Et coïncidence, des fois, quand ma chienne était malade, ça me stressait tellement de voir cette chienne vraiment, vraiment qui souffrait, qui était malade, que j'en étais malade aussi. Mais moi, j'ai absolument pas envie de changer. Mes chiens, ils vivent comme ça. Donc, pour en finir, c'est toujours la même chose, toujours la même discussion qui ne mène strictement à rien. Tu restes sur ton point de vue, moi sur le mien, donc il ne peut y avoir aucune avancée, quoi. Donc, c'est pour cette raison que je viens jamais te voir, que je ne souhaite passer aucun moment avec toi de particulier, parce que c'est toujours un enfer, quoi.
C'est un enfer de voir ta mère. Bon, je tout à fait. Salut, bon vent. Ciao. Venez, mes chéris. Sympathique, votre demi-sœur. Hein? Bon, mais c'est comme ça. Hein? Si les reproches de Sarah sont loin d'émouvoir Régine, il y a pourtant un moment où la quinquagénaire se laisse submerger par l'émotion. C'est en se rendant dans son jardin, sur la tombe de Bounty, sa chienne récemment disparue. L'animal lui manque cruellement. Tous les soirs, depuis sa disparition, Régine se recueille ici. Je pense beaucoup à toi et tu me manques terriblement. Voilà. Hein, t'as deux merveilleux chevaux qui te remplacent, mais ça sera jamais pareil, ça c'est sûr. Hein, parce que tu étais unique, parce que t'étais mon chien et parce que tu étais mon ombre. Bon, bref, tu étais ma... C'est comme ça, quoi, c'est la vie. Hein? On a vécu plein de choses, quoi. En bref, c'était ma compagne, c'était ma complice, on va dire. On avait les mêmes antipathies, on avait, je veux dire, c'est un peu stupide, mais presque la même façon de penser, quoi. Lasse de cette incompréhension mutuelle, ce matin, Sarah, épaulée par son petit ami William, veut renouer le dialogue avec sa mère. Elle tient donc à l'inviter à déjeuner, espérant parler d'autre chose que de ses animaux. Mais Régine, égale à elle-même, impose ses règles. Bah écoute, moi je viens avec mes chiens ou je viens pas de toute façon. Voilà. Alors bon, on a qu'à partir avec votre voiture. Moi je vous suis si vous voulez. Oui, la dernière fois quand j'avais amené Bounty, elle avait essayé de manger le serveur et tout. Oui, Bounty, elle bouffait là, le serveur. Là ils sont deux quoi. Ils sont deux, mais bon, ils ont pas encore. Tu as bien vu hier comment ils étaient agressifs. Mais ils ont des petites dents, ils mordillent. Bon. Bah écoute, trouver un restaurant sympa avec un serveur sympa qui accepte les chiens. C'est pour planter le scandale à l'intérieur. Mais non, ils planteront pas de scandale, mes chiens. Ils sont bien éduqués. Ils sont... Bon, je sais que je te fais honte, mais je te promets qu'on va bien se tenir. Alors, venez. On nous invite au resto. J'ai pensé amener vos croquettes. On va essayer de pas faire honte à ta sœur. Oui, ça va être très dur, ça. Tu les fais taire, hein, s'ils se mettent à aboyer. Bah, bien sûr. De toute façon, ils aboient pas, ces chiens. Si, attends, tous les jours au restaurant, ils aboient. Mais non, c'est des petites merveilles. Oui, c'est des petites merveilles qui aboient. Ben parce que ça aboie, un chien ça aboie, une fille ça râle. Oups, c'est un peu la vie, hein? Voilà. Allez, venez mes petits amours. Une jolie vache déguisée en fleurs. Allez, on y va? Mais oui, qu'ils sont merveilleux, ces bébés, regarde. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Allez, hop. À peine installée à table, Régine joue la carte de la provocation. Elle considère sa fille comme la sœur de ses chiens. On va essayer de bien se tenir pour que ta sœur ne critique pas. Eh bien, moi, c'est mes enfants, voilà. Hein, mes enfants tardifs, parce que j'en aurais plus, ce sont les miens. Voilà, hein. Point final. On vient pas au restaurant pour parler de chiens. On vient pour faire un petit repas en famille. Avec les frères. Donc, de provoquer ses enfants, je vois vraiment pas l'intérêt que mais ça peut avoir. Mais je te provoque pas, c'est le plaisir que ça peut donner, je réalise pas, quoi. Mais c'est aucun plaisir, Outré par les propos de Régine, William, à son tour, la prend à partie. Est-ce qu'elle accepterait mieux que vous les appeliez ses frères si vous la considériez vraiment comme votre fille, quoi? Non, j'accepte pas que... Oui. Utilise des frères quoi, pour des chiens. Ça, en quoi Sarah n'est pas ma fille? Il y a plus une relation enfant-parent avec vos chiens qu'avec vos propres enfants. Peut-être parce que Sarah, ça a été une époque où j'avais tellement de travail que je ne pouvais pas m'en occuper. Ça a été un choix. Oui, et c'était aussi une autre époque, hein, avec 20 ans de différence. Quoi. Je me demandais juste si vous n'aviez pas senti un manque alors que vous aviez des enfants, ou si vous n'avez pas senti un manque lors de leur... Vous ne les avez pas foncièrement vus grandir, quoi. Non, je les ai jamais abandonnés. Je les ai vus grandir, mais dans un contexte où j'avais pas trop le choix. C'est avec du recul qu'on voit qu'on a peut-être fait une erreur. Hein. Tu refuses tout instant toute communication avec tes enfants. Regarde le temps que tu consacres à tes animaux. Moi, je dis quand je parle de toi que tu es une fille extraordinaire. Je suis contente de vous avoir, mes filles, mais que tu es une écorchée vive et une invivable. En bref, une chiante, quoi. Elle me dit ma grand-mère était comme ça, ma mère est comme ça, elle a peur de devenir comme ça, quoi. Moi, je sais qu'un jour, quand on aura des enfants, j'aimerais pas que les gamins ils me disent « Écoute, chez grand-mère, je veux pas y aller, quoi. »
Là, on est arrivé à un point, je ne vais pas vous le cacher, Régine, c'est que... Un point de non-retour, c'est très facile. Voilà, c'est le point de non-retour. Voilà. C'est que le jour où on va déménager ou qu'elle va trouver un autre boulot, c'est que sa mère sera inexistante. Vous serez inexistante dans sa vie. Et ça, elle me l'a déjà dit, moi, ça me fait mal au cœur. Ah oui, non, je pense pas, c'est drôle. Je lui ai déjà posé la question, tu vas pas le regretter. Elle me dit, oui, je vais le regretter, mais au moins, ça passera pour toutes les années passées comme ça. Donc, c'est quelque part, c'est qu'il y a vraiment un malaise que vous ne réagissez pas à ça, quoi. C'est ta vision à toi. Moi, j'estime que déjà, je les assume d'une certaine façon. Certainement pas affectivement, mais d'une autre façon. Puis bon, si ma passion, c'est les chiens, il faut bien avoir... Peut-être que justement, parce que j'ai pas d'affection de mes enfants. Face aux propos extrêmement durs de sa mère, Sarah vide son sac. Non, je reproche qu'enfant, que tu n'aies rien fait pour moi. Totalement, parce que enfant, on a besoin quand même de ses parents, on a besoin d'attention. Ce sont des choses qui sont tout à fait normales et qui sont nécessaires. Il faut agrandir totalement. Maintenant, j'ai 20 ans, mon éducation, je l'ai faite moi-même. Et non, effectivement, j'ai pas besoin de toi spécialement, quoi. Donc là, oui, je travaille avec toi si je veux revenir sur ce sujet-là. Mais demain, je quitte ton restaurant. C'est pas pour autant que je me retrouverai dans la rue, quoi. Mais donc, tu n'es pas nécessaire à mon... Tu n'es pas vital, quoi, pour moi. Au contraire. Quand je vois que tu promènes tes chiens une heure chaque jour, que tu les amènes balader dans la forêt, pas une seule fois tu as fait la même chose avec moi ou même aller au cinéma. Moi j'aime les animaux, j'aime la nature. Voilà, tu n'aimes rien d'autre, en gros. Pas que j'aime rien d'autre, c'est non, que... Non mais c'est ça, en gros, c'est ça, quand on t'entend priori... parler et quand on voit comment tu réagis, si c'est A priori, ça. Toi, tu es en opposition totale avec tout. Je comprends pas, peut-être que je suis à côté de la plaque, hein. Mais je vis d'une façon qui est peut-être un peu marginale. Merci. Je suis en opposition totale avec tout ce que je fais. C'est tout ce que j'entends depuis le début de l'Europe. Ben oui. Bon, ben voilà. Hein. Choquée par la tournure du déjeuner, Sarah et William quittent la table. Peut-être que je l'ai un peu cherché, mais quand même, je trouve que c'est excessif. Non. C'est une sale gosse. Voilà. Mais bon. Après, on s'étonne que je vive avec des animaux. Je suis déçue des hommes. Il faut le reconnaître. Peut-être que c'est de ma faute. Je suis déçue de mes enfants. Alors que mes chiens, mais sont merveilleux. Voilà. Ça doit s'appeler une vieille biquet gris, mais c'est pas grave. Je serai peut-être privée de petits-enfants, mais s'ils ressemblent à leur mère, ça sera sûrement des horreurs. Donc voilà. J'ai été extrêmement déçue de son comportement et de la tournure qu'ont pris les choses. J'attendais vraiment ce repas, en fait, pour qu'on puisse avoir une discussion, pour qu'on puisse passer un moment ensemble. Et comme toujours, ça s'est mal déroulé, voire même pire que d'habitude. Entre la mère et la fille, toute communication est rompue. Chacune a l'impression d'être arrivée à un point de non-retour. Afin de les aider à retrouver le chemin du dialogue, notre spécialiste Karine Granval intervient. Bonjour. Bonjour. Régine, Karine, enchantée. Bonjour. D'emblée, afin de faire réagir Régine, Karine ne mâche pas ses mots. C'est violent pour un enfant d'avoir l'impression de passer après des chiens. Vous croyez pas ? Concrètement, dans son esprit, ce qui se passe, c'est qu'elle se dit, moi, quand j'étais petite, maman travaillait et elle n'a pas eu le temps de s'occuper de moi, elle n'a pas pris le temps de s'occuper de moi. Aujourd'hui, elle a des chiens dont elle prend le temps de s'occuper. Donc concrètement... Il y a 20 ans de différence. Oui. Les choses ont changé. Les choses ont changé, mais elle reste votre fille, c'est la chair de votre chair. Et aujourd'hui, une fille n'a rien besoin de plus que de sa maman. Et ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Vous estimez qu'à 20 ans, un enfant doit encore être dépendant de sa mère comme elle l'est? Mais un enfant qui a souffert d'un manque de mère à 5 ans, 3 ans, 2 ans, 8 ans, à 20 ans, il est encore dépendant et il a toujours cette plaie encore qu'elle a besoin de montrer qu'elle est là et qu'elle vaut la peine. Et qu'elle vaut la peine. Et elle ne sait plus comment faire aujourd'hui. C'est ça le problème. La seule personne qui puisse l'aider, c'est vous. Et de quelle manière? C'est en faisant un pas vers elle. Régine accuse le coup, mais Karine n'en a pas fini. Une autre surprise l'attend. Un message enregistré par Sarah, à son intention. Je voudrais donc que tu prennes conscience de ça, de la gravité de notre situation familiale, qui est extrême. Il peut y avoir plein de possibilités, mais je n'en trouve aucune qui est assez importante pour trouver l'excuse de ne pas élever ses enfants et au contraire les dénigrer. Pourquoi avoir eu un tel comportement? Et pourquoi avoir un tel comportement aujourd'hui?
si Régine a eu l'air touchée en visionnant le message de sa fille. Pour autant, la prise de conscience n'est pas facile à opérer quand Sarah arrive face à elle. C'est vrai que Sarah, te voir comme ça, ça m'a fait quelque chose, mais bon, c'est des... je savais qu'il fallait qu'on arrive à ça, à des discussions. On en a tellement eu que, honnêtement, j'ai un peu baissé les bras, quoi. De te voir là, de nouveau, ça... Je pense qu'on va essayer de faire un grand pas en avant. Je t'aime peut-être à ma façon, mais je t'aime. Je t'ai jamais rejetée, tu t'es sentie rejetée, mais moi, je t'ai jamais rejetée. S'il y avait un choix à faire entre des petits trucs comme ça ou toi, ça serait toi, tu le sais très bien. Je sais que tu souffres, Sarah. Mais c'est vrai, hein, je dis pas ça en plaisantant, tu souffres, mais... Vous souffrez toutes les deux aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui m'interpelle. Et quand je vois que vous souffrez toutes les deux, je ne vois qu'une chose, c'est qu'il y a deux incompréhensions, qu'il y a de l'amour entre vous, et qu'il y a deux incompréhensions. Et qu'il y a des choses qui ne se sont pas enclenchées au bon moment, au moment où vous en aviez besoin, votre maman n'a pas été là. Et aujourd'hui, au moment où elle vient vers vous, et ben, par réaction, vous n'êtes pas là. À force de discussion, Karine parvient à renouer le contact entre les deux femmes. Pour la première fois depuis des années, Régine et Sarah font un pas l'une vers l'autre. Pride can stand a thousand trials. La gêne finit par laisser place à la tendresse. Chacune promet de faire des efforts. C'est à ce prix que mère et fille parviendront enfin à renouer un lien solide et durable. A l'inverse, entre Ophélie et Guillaume, rien ne va plus. C'est l'affrontement quotidien. Détonne-toi pour faire au-dessus de l'armoire. J'ai l'impression d'entendre Guillaume, fais pas ci, Guillaume, fais pas ça. Je te dis, j'aime pas le ménage. Moi, je suis dans ta vie quand même. Attends, t'es dans ma vie, toi. Toi, t'étais bien tranquille, peinard, chez toi. Tranquille. Et moi, je faisais quoi? Allez, va jouer, tu me lâches, c'est bon, j'ai même plus envie de discuter avec toi, c'est bon. La discussion, elle est close. Tu te sers de moi comme moi, je me sers de mon plan de travail pour cuisiner, quoi. Ouais. Sauf que moi, je le nettoie, mais toi, tu me salis. T'as été couché ailleurs? T'as été couché ailleurs un week-end, toi, t'es rentré ici, t'as dormi avec peut-être... moi. Pardon d'avoir été cocu, Guillaume, pardon. J'ai l'impression d'être une femme toute seule qui doit tout gérer toute seule. Je sais que ça te fait souffrir, c'est pour ça que... Des moments, je te dis pas tout. J'ai plus d'espoir dans mon couple, j'ai plus espoir en rien. De toute façon, pour moi, c'est... J'ai atteint le point de non-retour, quoi. Ophélie et Guillaume sont ensemble depuis maintenant 2 ans et demi. Parents d'un bébé de 14 mois, le couple est aujourd'hui au bord de la rupture. Les disputes et les reproches rythment leur quotidien et cela commence dès le début de la journée. Puis ton ménage, tu peux pas le faire plus tard, par hasard. Non. Non, j'attends. Je fais une fois par semaine le ménage à fond. Faut pas exagérer non plus. Attends, tu le fais demain ou quoi que ce soit, de toute façon. C'est... Non, c'est pas demain. Non, c'est pas demain. C'est tout le temps, une fois par semaine à fond. Non, moi je suis pas d'accord. Une semaine à fond, arrêtez de conner, de toute façon. C'est une fois par semaine à fond et je lave que mes parterres seulement 2 fois par semaine. On a un bébé ici, il fait du 4 pattes, ça nettoie sa bouche, il faut faire attention. De toute façon. Je sais même pas ce que tu glandes ici, franchement. Bah, de toute façon, là, pour l'instant, je vais retourner sur l'ordinateur, puis tu m'appelleras quand il faudra faire ça. Hein? Quand il faudra faire quoi? Et si je suis décidé à le faire. Ben ça, tu peux le faire. C'est là, t'as qu'à le faire. Là, maintenant? Ben là, maintenant, ou tout à l'heure, mais de toute façon, c'est pas à faire au soir à 9h. Hein? Bah t'as ça, qu'à les reposer, sûr, puis je les ferai tout à l'heure. Comme toujours, Guillaume ne daigne pas lever le petit doigt. Il retourne à ses occupations, laissant Ophélie seule terminer son ménage. Guillaume! Quoi? T'es pas trop fatigué, là? Tu peux me lâcher 2 secondes, non? Ah, 2 secondes. Ouais, ça fait 2 ans que je te lâche. De toute façon, je pourrais dire ou faire n'importe quoi, ça changera jamais rien. Ah bah non, bah de toute façon, pourquoi changer? Pour être pire, c'est pas la peine. Ah, tu peux pas être pire. Tu peux pas, c'est pas possible. Oui, allez, bonjour. J'ai gagné le gros lot. Ah, je t'aime très fort. Allez, vas-y. Ouais, allez, c'est bien. Tu me fais rire. Les minutes passent, mais Guillaume reste sur son ordinateur. Ophélie n'a d'autre choix que de s'exécuter. On va dire que je me défierais plutôt, définirais quand même... Comme plutôt laxiste, et moi c'est à la va comme je te pousse, quoi. C'est cool, c'est
Si j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, je le fais demain. Si j'ai décidé que c'est comme ça, ça sera comme ça, quoi. Je te dis, j'aime pas le ménage. Je peux dire que j'aime bien et puis c'est tout, voilà. Une femme dans ta vie, c'est pour quoi faire? Une femme pour ma vie? Une femme dans ma vie? Oui, je suis dans ta vie quand même. Attends, t'es dans ma vie, toi. Je sais que j'ai fait des conneries, je dis pas le contraire. Moi. Attends, c'est toi qui es réticente en ce moment avec moi. J'essaie de me rapprocher de toi, à chaque fois tu m'envoies chier, alors tu sais... Et le plus dur aujourd'hui, c'est qu'Ophélie ne sait même plus ce qu'elle représente aux yeux de son homme. Pour toi, moi, je suis qui? Je peux pas dire que t'es ma femme, parce que vu étant donné comment on s'engueule ou quoi que ce soit, et puis qu'on s'entend même plus... Ah, mais t'as l'impression d'être quoi, toi, alors, ici? Moi? Ouais. Rien. Quand tu viens ici, c'est pour quoi faire? Rien. De toute façon, qu'est-ce que je te dis, que je sois quelque chose ou quoi que ce soit, puisque je suis rien. Déjà, à tes yeux, je suis un squatter. Tu veux que je te dise quoi? En même temps, tu veux que je te dise quoi d'autre, Guillaume? Tu viens ici. Ah ouais, entre me traiter de squatter, feignant, bon à rien, tu sais. Je suis peut-être sur l'ordinateur, je dis pas le contraire. Je suis peut-être sur l'ordinateur ou alors sur la télé. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas le ménage, mais quand il s'agit de bricoler, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Mais on bricole pas à longueur d'année, y a pas tous les jours quelque chose à bricoler. Mais alors, je suis comme je suis, qu'est-ce que tu veux me casser les tous les jours? Pour Guillaume, Ophélie se réfugie derrière les problèmes du ménage. Mais leur mal-être est beaucoup plus profond, c'est pourquoi le jeune homme ne veut plus y croire. Pour moi, être ma compagne, c'est quelqu'un qui s'entend sur tout point avec moi ou quoi que ce soit, qu'on passe des moments en rigolant et pas en s'engueulant. Ça fait X temps qu'on est ensemble, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, ça fait 2 ans que tu me fais chier. Et puis ça fait 2 ans qu'on s'engueule. Tu peux pas dire autrement que moi. Hein? Guillaume me répète sans cesse qu'il va me quitter. Il me le dit 10-15 fois par jour. Il va être 2 jours sans me le dire, il va me le répéter encore 10-15 fois le jour d'après. Tout le temps, c'est tout le temps. Si je lui dis quelque chose, c'est... En gros, ça veut dire tais-toi parce que je me barre et puis tu m'en revois plus jamais, quoi. Je veux pas qu'on en vienne là. Je veux pas qu'on se sépare. On a fait un enfant, on assume et puis... Puis je sais quelque part où on pourrait être heureux, quoi. Et si Ophélie fait tout pour éviter une rupture définitive, le couple s'est tout de même éloigné. Depuis quelques mois, le soir venu, Guillaume rentre dans sa garçonnière. Un moment de répit nécessaire pour ce couple qui a de plus en plus de mal à se supporter. Si Guillaume se sent soulagé, Ophélie accepte difficilement cette situation. Pour moi, la vie, déjà, dans ma tête, c'était pas comme ça une vie. Une vie de famille, c'est avec le papa, la maman, le bébé, c'est une vie conjointe. Ensemble, on partage tout. C'est pas où le couple est ensemble, mais on vit pas ensemble. Ça, c'est très compliqué. Pour moi, c'est en quelque sorte m'échapper, ouais. Parce que bon, je suis dans mon univers, il n'y a personne pour me commander, il n'y a personne pour me contredire. Et c'est vrai que, en quelque sorte, ouais, j'ai l'impression pas de m'échapper, ni de fuir mes responsabilités, mais surtout vivre comme j'ai envie, quoi, en fait. Voilà, c'est surtout ça. C'est soit t'es séparé, ou alors tu vis ensemble, t'assumes. Moi, pour moi, Guillaume, c'est une façon de pas assumer. Pour moi, c'est qu'il m'aime pas. C'est qu'il m'aime pas, que... qu'il me prend un peu comme une bonne. J'ai beaucoup de mal à avoir l'avenir avec Ophélie. Pour moi, mon avenir, je vois peut-être pas seul, mais pas avec Ophélie toujours. Pourtant, lorsqu'ils se rencontrent, il y a 2 ans et demi, les jeunes gens tombent très vite amoureux. Dès lors, ils ne se quitteront plus. Après 4 mois de relation, alors que le couple se connaît à peine, la jeune femme tombe enceinte. Aujourd'hui, Ophélie, mère au foyer de 25 ans, et Guillaume, 30 ans, sont les heureux parents d'un petit garçon, Evan. Propulsés trop rapidement dans une vie de famille, ils sont maintenant confrontés à la réalité du quotidien et tout les oppose. Et tandis qu'Ophélie se bat désespérément pour sauver son couple et sa famille, Guillaume n'a qu'une idée en tête, retrouver sa liberté. Ophélie et Guillaume, aujourd'hui, ne partagent plus rien. Alors, lorsque le jeune papa arrive pour déjeuner, c'est pour mettre les pieds sous la table, sans même un bonjour. Son assiette, vite expédiée, il quitte la table, sans même débarrasser, et fuit sa femme. Merci de donner un coup de main. Ouais.
Tu fais la vaisselle, non? Là, je te prépare la vaisselle. Ouais, bah, je la ferai si j'ai envie de la faire. Hein. De toute façon, tu vas pas me faire chier. Je dis, si j'ai pas envie de la faire, je la ferai pas tout de suite. De toute façon, je la ferai quand j'aurai envie de la faire. Puis t'aurais pu rester avec moi pour le dessert? Non, bah, je suis bien, là. Pourquoi j'irai avec toi? Déjà, on ne mange pas dans la salle. Ça, je l'ai déjà dit. J'ai acheté un canapé. Il va pas faire long feu avec toi. Je le salue, ton canapé, non? Qu'est-ce que t'avais fait la dernière fois? T'as posé ta glace sur le canapé quand je t'ai dit, bah, ta glace, elle est où? Tu m'as dit, je m'en vais. Est-ce que je le salis, ton canapé? Ça peut couler dessus. Mais arrête tes conneries, je fais attention. Non, mais tu te sens bien, toi? Non. Ça peut couler dessus. Normalement, c'est à table qu'on mange. Là, j'ai l'impression d'avoir, tu vois, un enfant. Un enfant qui, hop, prend son petit déjeuner le matin sur le canapé. Un enfant. Je sais pas si je suis un enfant. Bah, pour moi, t'as une partie d'enfant. Ah ouais, toi, t'as 25 ans, j'en ai 30, mais merde, d'accord? Ah oui, donc je te dois la recevoir de toi. Voilà, okay. Tout à fait, ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, commence par respecter les autres, d'accord? Ouais, bah ouais. Respecte ton entourage, après, mais je te oui, allez, va jouer, arrête de me casser les, hein, allez. D'accord? La discussion, elle est close. C'est bon. Déjà, je la supporte plus. Et l'un comme l'autre, on ne se supporte plus, de toute façon. Pour moi, il n'y a plus d'entente, donc c'est vrai que... Il n'y a plus rien. Au sein du couple, tout est devenu source de discorde. Et même quand il s'agit de faire les courses, c'est à contre-cœur que Guillaume s'y rend. Alors, à peine arrivé dans le magasin, c'est chacun pour soi. Je vais faire un tour, j'arrive. Tu peux pas venir avec moi pour choisir les courses pour la maison? J'arrive, je vais faire un tour. Bon bah vas-y, joue avec tes plaisirs. Non mon amour. Pendant que madame remplit le caddie, monsieur file au rayon jeux vidéo traquer les dernières sorties. Ça te dérangerait de m'aider? Oui, tu me saoules. Arrête de dire tu me saoules parce que c'est moi que tu saoules à dire ça. J'entends sa longueur de journée, écoute, oh là là là, ça me... Ce mot, il me sort des trous de nez, tu vois. Parce que t'as des trous de nez, toi. Non, on m'en a pas fait, on a oublié de m'en faire à la naissance. Allez, bisous. Épuisé par le comportement puéril de son compagnon, Ophélie est à bout. Une fois de plus, le couple rentre dans l'indifférence la plus totale. Et pour Ophélie, ce manque d'intérêt et d'amour la rend maintenant très méfiante et suspicieuse. Elle n'hésite plus à inspecter le blouson de son compagnon. Tu fais quoi? Mais rien. Je suis en train de voir si je peux laver ton blouson, alors je vide les poches. Ouais. Tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? T'es grillé, là. Grillé de quoi? Ma carte bleue, c'est ma carte bleue. Tu veux peut-être aller vérifier mon compte? Regarde, vas-y. Qu'est-ce que t'as fait avec ta carte? Bah rien du tout. Comment ça se fait que tu l'avais? Si tu veux, je vais même te conduire à la banque si tu veux. Non, mais comment ça se fait que tu l'avais? Parce que la dernière fois, quand j'ai mis de l'essence, je l'ai gardé dans mes poches. Ça, je peux le jeter, sous. Non, Guillaume. Hein? Non. Ah oui, rappelle-toi, non, c'est quand j'ai mis de l'essence. Non, tu me l'as retourné entre deux, tu te fous de moi, là? Non, j'ai pas d'argent, je vais pas m'amuser à aller dépenser mon fric, espèce de bobage, je vois. Ophélie est sur ses gardes, surtout lorsqu'elle découvre que la carte bancaire du couple est dans la veste de Guillaume. Alors, elle le soupçonne d'inviter de nouvelles conquêtes. Il faut dire que Guillaume a commis l'irréparable. Il y a 8 mois, il l'a trompée. Meurtrie, la jeune femme a maintenant perdu toute confiance en lui. Parce que je te connais, hein. Entre toi qui dors et soi-disant tu dors, mais en fait tes petits tours de quai là, à la recherche d'une autre. Ah ouais, alors on va lancer une nouvelle émission, tiens, à la recherche d'une femelle. Ah, mais tu serais le premier inscrit, hein. Ah bah, y a pas de ouais, soucis, hein. Clairement, toi, c'est vrai que... Ouais, recherche froide désespérément. Mais c'est toi qui m'as refroidi, Guillaume. C'est toi qui m'as refroidi, tout à fait. Bah ouais, je crois bien, là. Bouleversée par l'infidélité de Guillaume, Ophélie éprouve le besoin d'en parler. Elle veut comprendre. Mais le jeune homme a bien du mal à se justifier et à se remettre en question. C'est pas parce que je suis parti voir une seule fois ailleurs... D'accord? Que je suis pire des salopards. Ça, une seule fois, c'est toi qui me le dis. Hein. Mais bon, c'est bon. Ça, pour j'étais voir une seule fois ailleurs, par j'ai contre, regretté. Je veux bien que tu me dises. Je t'ai dit pardon, je me suis excusé, et je vois pas pourquoi tu continues à me harceler comme ça. Parce qu'il y a des choses que j'ai besoin de savoir, que je ne sais toujours pas de ta part. Je voudrais qu'on en parle. Oui. Tu te souviens quand elle m'a tout dit, pourquoi tu m'as pas dit toi? Tu te rappelles, je t'ai regardé, je t'ai dit Guillaume, t'as le choix maintenant. C'est soit toi, soit elle. Soit je coupe tout de suite ce téléphone, je n'écoute pas ce qu'elle a à me dire, et que c'est toi qui agis en homme et qui m'avoue tout. Ou alors, tu continues de mentir, de nier ce qui s'est passé et... Oui, je sais, j'ai continué à nier, d'accord? Tu m'as dit, je te jure, ça vient passer. Oui, mais toi, t'as signé à chaque fois que je te fais cocu constamment. Mais non, mais après, t'as à t'écouter à chaque coin de rue, je vais te tromper. Mais pour moi, maintenant... Je sais que j'ai été couché une seule fois ailleurs, je une dis pas le contraire. Fois. Bah, non.
pardon d'avoir été cocu, Guillaume, pardon. Tellement tout est de ma faute. C'est moi qui t'a dit, va avec les bras fessés. Oui, allez, allez, hé, oh, dégage. C'est bon. Arrête, c'est moi qui t'a dit. Ouais, allez. Je t'ai dit, va avec cette fille, y a pas de souci. Allez. Pire encore que l'adultère, Guillaume a osé confier à sa maîtresse les problèmes intimes de son couple. Une humiliation impardonnable pour Ophélie. Savoir que j'avais été dévoilée devant quelqu'un que je connaissais pas et encore plus de savoir que cette personne qui m'a dévoilée, c'était mon copain, quoi, le père de mon enfant. C'est une chose pour moi qui est... Pour moi, il a pris une partie de moi. Je prends ça un peu comme un viol, en fait. Ophélie n'a toujours pas digéré l'adultère de Guillaume et tient à lui faire payer. Alors forcément, quand celui-ci tente une approche, la jeune femme reste impassible. Pourquoi tu peux faire un câlin ? J'ai pas dit que je voulais pas faire un câlin. C'est juste qu'un câlin pour toi, c'est quoi ? C'est juste qu'un câlin, c'est moi. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de toi quand même. Oh, voilà. Je vois pas pourquoi t'aurais pas envie de moi. Mais hein? Parce que toi, c'est que des envies sexuelles. Bah, et puis alors ? Bah, justement. Moi, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie. Puis je vois pas pourquoi. Tu dis toi-même, je suis froide, ben voilà. Je suis pas un objet sexuel. Voilà. Ouais, t'as raison. De toute façon, c'est simple maintenant. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas couché ensemble ? Non ? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour ? C'est une très bonne conversation. Ouais. Ça fait X temps qu'on n'a pas fait l'amour. Mais de la façon que t'as agi avec moi, ça me donne plus envie de toi. Bah, au moment où tu agis avec toi, t'es froide avec moi. Ouais, mais non, je te parle. Je te parle de tes agissements naturels dans la journée, quoi. J'ai jamais eu de tendresse, j'en donne pas, hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi ? Bah, justement, faut peut-être changer ça aussi dans la vie. Hein. Faut peut-être changer ça dans la vie. Bah, je suis désolée, mais bon, toute femme a besoin de tendresse. Une femme, elle est pas là pour que tu sautes dessus, que tu grimpes. Une femme, elle a des sentiments. Attends. On a déjà des rapports assez espacés, alors c'est comment veux-tu que je réagisse ? Pour toi, je pense qu'à mon plaisir. En gros, c'est ce que tu penses. J'aimerais que tu sois plus explicite. Bah, pour moi, c'est mon plaisir avant, quoi. C'est tout. Voilà. Puis toi, tu viens en zoom. Bah, dis-toi que, à force de prendre ton pied à toi tout seul, bah. Je peux pas dire, je pense pas qu'à mon plaisir non plus. Il y a des moments où je vais penser à moi, il y a des moments où je vais penser à toi. Bah, de toute façon, t'as pas envie de moi. Bah, de toute façon, tant que tu changeras pas, ça c'est sûr que non. Non. Je suis incapable de faire des gestes intimes avec Guillaume parce qu'il y a une colère énorme qui me ronge par rapport à tout ce que j'ai passé avec lui en 2 ans et demi. J'ai l'impression d'être soumise. Si j'accepte d'avoir une intimité avec lui, je suis soumise. Depuis plusieurs mois, entre moi et Ophélie, il se passe plus grand-chose, quoi. C'est vrai que au niveau que ce soit sexuel, que ce soit sentimental, c'est vrai qu'il n'y a plus rien depuis des mois et des mois. Et c'est vrai que je voudrais que ça change. Je me sens frustré, je me sens abandonné, je me sens... délaissé. Et c'est vrai que peut-être que j'ai l'impression de ne plus exister dans sa vie, comme moi, pour moi, elle n'existe plus dans la mienne, oui. C'est vrai qu'on s'éloigne de plus en plus. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on est au point mort, quoi. Parce que moi, j'ai plutôt envie de prendre la porte et m'en aller, quoi, honnêtement. Ça, je l'ai ressenti. Bah, oui. Tout ce que je fais, moi, c'est essayer de retenir ce qui reste, hein. Mais je vais te dire franchement, c'est encore plus fin qu'un fil à coudre, hein. Donc c'est pas évident, hein. De le retenir sans le casser, c'est... Je me sens plus proche de la sortie que plus proche de toi, quoi. Moi, j'ai plutôt envie de m'en aller. Mais comme tu me disais la dernière fois, c'est toi qui as envie de sauver le couple, et moi, j'ai plutôt l'impression du contraire. Parce que moi, personnellement, moi, j'ai pas envie de revenir avec toi. Moi, je voudrais partir. Moi, je voudrais que ça s'arrête là, point barre. Moi, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Le couple est sur le point d'envisager le pire. Guillaume ne voit plus d'issue. Ophélie, abattue et sous le choc. En fin d'après-midi, la jeune femme veut trouver du réconfort auprès de sa mère, Brigitte. Seule personne à qui elle peut encore se confier. Quand je lui demande de changer, il menace de me quitter. Il me dit que ça va être fini entre nous définitivement. Et puis, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire, là ? Je sais pas, pour l'instant je reste comme ça, j'attends que... de voir s'il y a possibilité qu'il y ait un changement entre nous,
qui se décide enfin à réagir, qu'on pourrait être une famille, qu'on pourrait être heureux, parce qu'on pourrait être heureux, en fait. Ça m'empêche d'avancer quelque part, de voir malheureux. Te voir malheureuse. Je sais que ça te fait souffrir, c'est pour ça que des moments je te dis pas tout, parce que je sais à quel point tu m'aimes, mais lui il peut pas comprendre ça. Il comprend pas, il a pas eu l'amour que nous on a, et puis j'ai consacré ma vie pour vous. J'ai consacré ma vie, je regrette rien. Je vous ai aimé, mais ne cache pas ta vie. Ne cache pas ta vie, t'as un enfant merveilleux. T'as tout l'avenir encore devant toi. Il faut bouger, il faut faire quelque chose, il faut pas rester comme ça. Ou tu lui dis qu'il change, parce que vraiment t'en as marre, t'es au bout du rouleau, t'en peux plus. Donc tu lui donnes un moment de répit, je sais pas moi, quelques temps, qu'il change, qu'il arrive à se bouger un petit peu aussi, qu'il se foute un coup de pied dans le derrière, quoi. Et que... Bah que si ça change pas, bah, vous serez obligés de vous séparer, parce que c'est pas une vie ni pour l'un ni pour l'autre. Après la conversation qu'elle vient d'avoir avec sa mère, Ophélie est confortée dans sa décision. Elle ose mettre Guillaume au pied du mur, soit il change, soit il se sépare. Guillaume accuse le coup et rentre chez lui sans rien dire. Durant toute la soirée, les mots, les remarques d'Ophélie résonnent en boucle dans sa tête. Je peux pas dire que je t'ai fait autant souffrir que toi. Tu ne veux pas m'écouter, t'écoutes pas, t'enregistres si pas. Tu comprends ce que je ressens vraiment dans mon cœur. Tu saurais quoi faire pour le changer. Et contre toute attente, dès le lendemain, une surprise attend Ophélie. Merci. C'est pour te demander de me pardonner de toutes mes erreurs que j'ai faites. Tout ce que j'ai pu te faire subir et puis tout le mal que je t'ai fait, quoi. Et je voudrais m'excuser et te demander pardon de tout ce que je t'ai fait. Anna. Je sais que c'est pas grand-chose, mais... C'est faire avec mon cœur, quoi. Pour trouver que je t'aime, quoi. Et que t'es la seule femme qui compte à mes yeux, maintenant. Qu'est-ce que tu veux bien me pardonner? Et qu'on puisse enfin avancer dans la vie, tous les deux. Ouais, je viens. Cette déclaration d'amour sonne comme un nouveau départ. Guillaume a su trouver les mots pour reconquérir le cœur d'Ophélie. Un an après notre reportage, les tensions se sont apaisées au sein du couple.